Et bien les amis, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de l'agriculteur savoyard. Et donc aujourd'hui on va aller chercher une cargaison un peu spéciale. Donc c'est un fourgon con exceptionnel apparemment 2 TP d'après ce que j'ai pu voir. Donc on va la mettre et puis ensuite si on a le temps on ira le livrer, voilà. Donc hop, nickel, merci. Ah bah oui, forcément faut qu'il y ait un deuxième feu rouge là. Alors on démarre en 6ème, tranquille. Donc vous voyez, je vous disais, les plaques devant elles s'illuminent en... les plaques canards, voilà. Donc, ah, ok, c'est... excusez-moi. Hop. Tranquille, donc hop. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible, on va juste mettre les pleins phares, on va pas un peu... Oh bah oui, bah Christu, je m'en fous moi. Donc on est à Paris et on doit aller à Metz. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, il y a un petit bug là. Voilà, nickel. Donc ouais, je crois que je suis à Paris, on doit aller à Metz, quelque chose comme ça, chercher la cargaison. Donc là on est à 152, donc ça va aller extrêmement vite normalement. 160, excusez-moi, faut pas que je me trompe. Alors, tac, tac, tac. Vous voyez. Je me fie parce que le moindre coup de quoi que ce soit, ça veut tout faire foirer donc. Ah, et puis là, il y a payage, hop, on va réduire. Ah oui, 170 quand même. On fait pas la chose à moitié. Hein. Non, nickel. Là, allez, on a bien maîtrisé là quand même. Ah, là, moi je dis on a bien maîtrisé. Hein. Oula, les petits coups de lag, j'aime pas trop ça moi. Ouais, c'est reparti, on se dépêche. Donc il reste déjà plus que 2 heures, on a déjà passé 1 heure à 150, à 170 km/h. Ça va hyper vite. Donc si on baigne pas avant, ça va aller. Donc c'est pour ça que j'ai un peu les pleins phares pour analyser la route. Et là, ça va pas. Non, si c'est bon. Donc on se dépêche. Je suis vraiment au maximum. Là, on va à 170, ensuite tu peux pas aller plus vite. Non, c'est bon. Nickel, donc on va juste reprendre un peu d'essence. Parce que j'en ai plus. Aïe, 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 aïe. Doucement, doucement, doucement. Je suis fort aujourd'hui, sans déconner. Je me gare pile où il faut. Allez, tu reprends, tu reprends, tu reprends, tu dépêches. Perds pas de temps, perds pas de temps, perds pas de temps. C'est bon. On monte vite à 100 quand même avec celui-là. On monte plus vite à 100 qu'avec le premier même qu'on avait avant, ça c'est sûr, c'est pas le même type de truc. Bon, bah, là il y a le badge télépayage, mais je sais pas trop à quoi il sert parce que... Enfin, là par contre ça passera pas, non. Non, non. Ah oui, là ça fait mal par contre. Combien de pourcents de dégâts, je suis juste curieux. Oh, zéro. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Allez, on démarre en 10ème. 5, 6, j'essaie de compter combien de temps il est monté jusqu'à 100. Je pense en 10-12 secondes il est à 100 parce que là... Hop, doucement, on va pas se planter là. Donc là, ils nous ramènent à Reims. Mais Reims, ah bah, pff, c'est pas loin Reims. Je disais, putain, ça doit être assez loin, mais encore dans ça. Donc là, on a 170, bah c'est limité à 100. Donc.
Enfin, 90 pour les poids lourds, mais bon, on s'arrête pas. Hein. Hop. Par contre, là-bas, je vais être obligé de ralentir un peu. Bah, avec cette vitesse là, moins 500, moi j'aurais mis moins 1000, mais bon. Faites comme vous voulez, hein. Moi ça m'arrange. Ma foi. Allez, go! Tu doubles le camion là-bas. Rapidement, rapidement, efficacement. Voilà, nickel. Ça, c'est du camion quand c'est débridé, n'empêche. Ça, c'est pas mal. Donc, faut que j'essaie de parler plus fort. Je sais pas si ça m'entend bien. Hop, allez, go. Oh non, mais il met des péages tous les 500 mètres, pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, sans déconner? Ah là par contre il y a un petit dégât. Il reste plus qu'1h39. Donc là non là il va nous remettre à Reims. Faut pas qu'on y touche. Allez, go. Tu te dépêches, allez. Donc n'empêche, en 70, le jour où vous croisez un camion à 170, vous m'appelez, parce que là, je peux vous dire, il en faut quand même. Alors, 1h19, oh là là là, allez, plus vite. F7, entrée à Reims, ça va, je veux pas perdre 3 heures pour aller à Reims, moi j'ai ma petite cargaison qui nous attend toute prête, donc on va prendre vite fait le temps d'y aller quand même, on sait jamais. Go. Allez, j'ai pas le temps de vous attendre mesdames, je double moi. Surtout que là je les double pas mal vite, hein. Encore un péage, mais c'est pas possible, putain, il y a une frite les péages là, ça va faire mal, ça va faire mal doucement. Oh, 2% de dégâts. Mais c'est quoi cette arnaque? Putain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 secondes, il est à 100 km/h. À peu près 10 km/h par seconde, à peu près, je dis. Pas tout à fait. Donc, toi, tu vas déjà bien vite, mon ami. Et tu ne... C'est moi qui passe devant, hein, que ce soit bien clair. Non mais bon, je voulais tourner, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Ouais, mais c'est bon, il me rentre encore dedans. Attends, mais... 4% de dégâts, ça va. Ça va, comparé à ce qu'on fait d'habitude. Alors... Je vais rester à 100 ici, ça me paraît assez judicieux parce que les routes là sont peut-être pas très... Allez, on tente la 12e. Bon, ça bug un peu, donc quand ça bug, mon image là, ça bug. L'image de la webcam bug, vu que ça enregistre en même temps, c'est vraiment chaud, donc attendez. On va essayer de couper quand c'est possible, et puis quand c'est pas possible, bah on coupe pas, ma foi. Nickel. On est presque arrivé à mettre. Ah là, il y a une plus grande voie, ça me plaît. Donc c'est 1h25. Hop, tu repasses en deuxième, s'il te plaît. Je pensais que ça allait passer à deuxième, mais il veut pas, apparemment. Ah non, pas là, pas là, pas là. Non, aïe, 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 aïe. Il nous reste combien de temps pour prendre l'émission, je sais pas. J'espère que ça va être juste parce qu'il y a là. Allez, on se dépêche. Nickel, allez,
Alors là, attendez, on va se dépêcher. Hop, toujours prendre. Alors, 7000 euros de réparation, on les fait quand même, c'est mieux. Ah, ça, on est juste à côté, faut qu'on se dépêche. Ça, pour se dépêcher, on sait faire. Allez, c'est fait quasi soit tour. Une petite mission tranquille. Hop, 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 s'il vous plaît. Ah voilà, ça me plaît. Je la voulais, je l'ai toujours voulu cette mission, mais à chaque fois que je veux, le téléporte au garage, ça se barre. Ça c'est un peu chiant, mais là on l'a, on tient le bout du truc, on l'a. Donc elle est où? Elle est où? Elle est où? Ok, elle est là, nickel. Ok, je regarde dans le rétro, tac. Hop, t'es. Alors, la remorque. Alors, déjà, on va mettre 2-3 petits gyros. Elle doit pas être bien lourde, hein. Il va pas avoir du mal, ouais, Titan. Oups. Ah oui, ah, ça, c'est un petit défaut. On va mettre les feux additionnels. Hop, nickel. Ah, on la tire tranquille, cette manière. Regardez, donc c'est bien ce que je vous dis, une voiture con exceptionnelle, voilà. Et puis nous à l'intérieur du camion, gros machin là, tranquille. Allez, c'est parti les amis. 3h54, ouais, allez go, 10 minutes de route, tranquille. Petite chronique de 20 minutes, c'est pas très très long. Donc, hop, on va pouvoir rerouler normalement. Tu regardes s'il y a quelqu'un là, il y a personne, on y va. Nickel, c'est d'ailleurs. Même si rouge là-bas en face. Je sais pas ce qu'ils mettent un porte-champ aussi grand pour un petit machin. Nickel. Texas qui joue. Ah. Player au truc simulateur de. Oh putain, je vais encore m'endormir moi comme celle-là. Ouais, prochaine coupure dans 1h05. Bon, si on fait pas de somnolence, on a de la chance. Alors là, on doit aller à gauche. Ouais, ouais, il est déjà bien fatigué là, ça se sent. On s'en fout, on est en combat exceptionnel. On est droit, on reste. Hop. Hop, allez, tu montes. Ça passe. Je préfère vérifier au cas où. Une petite chronique de nuit, c'est pas trop mal, je trouve. C'est sympa, ça a son charme, voilà. Hop. Donc là, il monte pas aussi vite à 100 km/h avec des dizaines derrière. Et bon, depuis le temps que je vais prendre cette cargaison, elle a l'air vraiment pas mal et elle est pas mal. Faut dire ce qui est. Alors, attendez. Tant que j'y pense, on va prendre la miniature de la vidéo. Autrement, c'est même pas la peine, on va pas y penser. Alors, hop, la petite miniature. Hop, on va pencher un peu. Donc, hop, c'est. Nickel, saturation. Non. Hop, on va laisser au maxi. Ah oui, là c'est beau. Ouais, là c'est beau. Ouais, là c'est pas mal. Alors, nickel là les gens. Prends une photo. Nickel. Allez, c'est parti. On retourne. Hop, 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 j'étais en quoi des 12. J'espère que c'était pas là qu'il fallait tourner. Hein. Remets-moi vite mon message. Toi. Non, c'est bon. Donc on est déjà 115, c'est déjà pas mal, tant qu'il nous colle pas un payage là, ça nous arrange. Donc hop, on peut repasser là, tranquille. Là il y a un bon virage tout droit. Donc là, voilà, il est là le bouton. Hein, comparé à la chronique d'avant où je me trompais de bouton, et que je klaxonnais au lieu de mettre les machins. D'ailleurs, non c'est bon, on va pas mettre les essuie-glaces, y a rien.
Attendez, il y a quelqu'un. Non. Allez. Donc, je vais essayer aussi de tourner. Allez, dans la semaine, je vais essayer d'être sympa. Je vais essayer de tourner la chronique des agris, justement. Il y en a déjà pas mal d'entre vous qui se sont manifestés. Du coup, je vais la tourner avec tous ceux qui se sont manifestés. Et tous ceux qui se manifesteront sur la page Facebook, hein, il n'y a pas de problème. Moi, vous savez, je suis pas compliqué. Vous pouvez vous manifester dès maintenant. La chronique, ce sera sûrement ce week-end. Ou un autre moment. Et puis voilà. Donc, hop. Hop, 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 hop. Allez, allez. Déjà plus que 2 heures de route, c'est chaud, chaud. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe là? Donc là encore, je roule pas trop mal comparé à d'habitude. On parle pas des limites de vitesse, s'il vous plaît, hein? Ça a rien à voir. Je mets bien mes clignotants tout, nickel. Rien à dire. Ouh là là, par contre là, oh là là, oh là là. Oulala, nickel. Bon, on est assez maîtrisé. Là, je roulais mal. Dans les gros virages où je vais vite, je roule mal. Ça, je l'avoue, ouais. C'est un défaut comme les autres, voilà. Mais je reprends la vitesse après. Donc, voilà. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez que je parle, donc mettez-les dans les commentaires ou sur Facebook. Comme ça fera un peu plus d'animation. Et donc voilà, j'essaie de trouver des sujets comme par exemple la nouvelle chaîne qu'on a fait, voilà, la Team Skyer. La Team Skyer, pas Team Skyer. Team Skyer, c'est les Anglais, c'est pas nous, et puis ils font pas le même style de vidéo que nous. Nous, on fait du gaming sur GTA, etc. et d'autres jeux PC. Eux, ils font je sais même plus. Voilà. Du coup, on n'a pas encore notre Dazzle, mais dès qu'il arrive, on se remet direct à faire nos vidéos. Et sur GTA, et puis forcément on va chercher aussi un peu de monde, donc vous serez tous les bienvenus. D'ailleurs le crew GTA 5 de la team, c'est LTS3, donc la team Skyer, donc voilà, ceux qui veulent rejoindre. Et ceux qui savent pas comment rejoindre, vous m'appelez, enfin vous me, excusez-moi, vous m'envoyez une demande d'amis sur le PSN. Donc mon PSN, c'est LTS, le tiret d'en bas, YouTube, le tiret d'en bas, Nico. Donc LTS, c'est 3 majuscules. YouTube, il y a une majuscule à Y, une majuscule à T, je crois. Et Nico, c'est tout en minuscule. Ouais. Ah oui, ma dépassement du temps de conduite. Tant que tu me mets pas de somnambulance, ça va. Parce que somnambulance, je suis un peu. Pas bon pour en avoir une là. Il nous reste combien de temps pour la livrer, savoir si on peut dormir un petit peu. Hop, 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 hop. 16h20. Ouais, allez, on tente 100. On est des ouf, nous. Surtout qu'on a 151 là, je repartirai pas après. J'ai pas fait 1% de dégâts sur la cargaison, ni sur le camion encore. C'est un miracle. Et là, je vais dire ça, je vais frotter la bagnole là, 10% partout. Alors, les clignotants. Nickel. Donc 52 minutes, on devrait voir le point d'objectif. Voilà, donc on va à Liège. Donc en fait, cette voiture là qu'on transporte, elle serait plus pratique devant nous pendant qu'on fait des gros convois, par exemple avec le Caterpillar Dumper. Qu'avec ça, c'est vraiment c'est un peu con. Et donc si je pense, moi, ce qu'il doit faire sur TS2 MP, c'est il devrait laisser les gens mettre leur mode, et puis chaque mode remplace une cargaison, ou remplace, voilà, prend l'apparence d'une cargaison, enfin bref, vous m'avez compris. Et ceux qui n'ont pas le même mode, et ben si vous voulez, ils voient la cargaison du jeu normal. Ça, ce serait pas mal. Et puis les skins, c'est pareil, ils apparaissent pas pour les autres s'ils n'ont pas le mode. Puis vous, ça apparaît, c'est vraiment bien, et ce serait pas mal. Voilà, ça, après, c'est mon app, ça a coupé. Voilà, excusez-moi. Hop, allez, on part à gauche, à droite.
Ça me reprend. Putain, on va y arriver quand même. Et puis là aussi, ça va me reprendre que on doit tourner et puis moi je tourne pas, c'est ça. C'est limite à 100, ça va. Ah, c'est limite à 100 même là. Ah non, peut-être pas. Hop, ah, nickel. Ah merde, c'était là. Ah, c'est au goodies. Aïe, aïe, aïe. Ok, bah fallait le voir que c'était là. Donc ça c'est quoi? Ah, il y a de belles cargaisons là quand même. Des trucs intéressants. 0%. Bah, ça c'est la première chronique où on fait pas un seul pourcent de dégâts, c'est génial. Alors on essaie de se garer à reculons, mais là je le sens pas du tout. Ah, je sens pas du tout. Qu'est-ce que je vous dis? Hop, allez, on avance là. Et là, tu recules en angle droit, mon gars. Oula, vous le voyez le bug là? Le petit rond qui clignote. Donc le mec a dû mal enlever les machins sur les rampes et ça bug, résultat génial. Bon, encore ça c'est les petits machins, on dit rien, c'est ça arrive quand on fait des mods, même sur TS2 ça arrive de se tromper, voilà. Ah non non non, on inverse pas tout. Y'a t'étais droit là. Pff. Non, je sais pas si mon... Il fait pas mal de bruit mon G27, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Hop. Ok, nickel, alors là, droit. Nickel. Et ben les amis, sur ce, bah je pense qu'on va se quitter du coup. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas la prochaine chronique du routier. Désagréable. Je peux y arriver moi. Hop là, petit bug de son. Ça arrive fréquemment. Voilà, n'oubliez pas, je recrute pour les chroniques. On peut être jusqu'à le maximum de joueurs en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et puis voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Et donc là, la prochaine chronique normalement. Elle sera sur fou que je retrouve. Donc normalement j'ai une deuxième sauvegarde, sauf que c'est une sauvegarde de merde en fait, si vous voulez. C'est vraiment n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. C'est que des conneries, que des conneries, que des conneries. Et du coup normalement je vais refaire une sauvegarde. Donc mon Volvo là, ce sera pour les. Oh, faut qu'on aille à l'hôtel encore. Voilà, donc mon Volvo là, il sera pour les carrières en solo, parce que j'ai pas envie à chaque fois de tout remettre les machins dedans. Et l'autre partie, ce sera pour les chroniques en multi, connard. Voilà, donc je vais me garer correctement et on se quittera là-bas, au garage. Hop. Ah, c'est pas mal ça, vous voyez. 2 gyros sur les côtés et puis... En tout, ça rend pas mal. Hop. Ah, ça j'adore. Ça c'est génial. Alors, donc là on va se mettre direct. On va pas trop se lâcher. Attends, tu peux clignoter s'il te plaît. On va juste essayer ça. L'effet de détresse pour que ça fasse un peu plus réel, comprendre. Et voilà, donc les amis, sur ce, et ben, hop,
que pas. Ah bah non, forcément. Alors on va essayer de se mettre correctement quand même. Ah bah si quand même. À 10 cm de l'autre camion, on peut dormir. Ah ouais. Donc les amis, sur ce, on va se quitter. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée. Et puis voilà. Oula, qu'est-ce qu'il a mis. Bon, allez. Salut.